Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter l'activité du compte-rendu. La bête noire des enseignants, bien sûr. Et surtout des enseignants stagiaires qui vont être euh, titularisés. Et à qui je souhaite bon courage. Alors... Premièrement, on va commencer par le, les, les moments forts de cette activité. Donc cette activité qui est le compte-rendu, elle, euh, elle vient juste après la production à écrite. Donc chaque production écrite doit avoir euh, son compte-rendu qui est la correction, la correction des copies, la distribution des copies aux élèves, etc. Donc les deux moments forts de cette activité sont l'amélioration d'un paragraphe mal réussi et deuxièmement l'autocorrection. Pour son objectif, l'objectif de cette activité est amener l'apprenant à prendre conscience de ses lacunes, de les corriger et les dépasser. Maintenant, on va passer à ces étapes. Premièrement, on va commencer par un petit rappel du sujet. Donc nous allons demander à deux ou trois élèves maximum de nous faire un petit rappel du sujet, une sorte de reformulation brève de la consigne qui a été déjà vue. Deuxièmement, on va faire des remarques d'ordre général. Donc ces remarques-là vont être sur la présentation de la copie, euh, sur le fond, sur les critères s'ils si, si ont été bien utilisés, euh, donc tout ce que nous avons pu remarquer durant la correction des copies. Ensuite, nous allons passer à la troisième étape qui est l'observation et l'analyse d'une copie d'élève. On va prendre une copie euh, d'un élève. Euh, la copie doit comporter des erreurs pertinentes. Donc cette copie, on va euh, la photocopier et la distribuer. Si vous n'avez pas de moyens, bien sûr, vous allez recopier cette euh, production telle qu'elle a été écrite par l'élève au tableau avec ses fautes, avec euh, tout, comme elle a été écrite, bien sûr. Ensuite, l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire Il va demander aux apprenants aux d'observer la copie, sans la lire, juste une observation. Et de faire des remarques, des remarques sur la présentation par exemple comment elle a été présentée si elle a une forme donc comme vous le savez chaque texte a une forme et a un fond donc le, le, euh, ils vont faire des remarques juste sur ce qu'ils ont remarqué ou bien ce qu'ils ont observé on ne va pas lire une copie qui contient des fautes donc ensuite la copie peut par exemple se présenter sous forme de texte compact ou avec des paragraphes non marqués par des alinéas. Ce sont des observations euh, que nous pouvons faire. On passe à le moment, au moment important de cette, de cette activité qui est l'amélioration collective d'une production. On va essayer d'améliorer une production d'une manière collective, collectivement. Donc cette étape-là, elle consiste à soumettre le paragraphe à la grille, soumettre le paragraphe à la grille d'évaluation. Donc la grille d'évaluation, c'est quoi Ce sont les critères de réussite que nous avons donnés aux élèves. On va la transformer en grille d'évaluation sous forme de tableau, bien sûr, contenant les quatre critères de base l'adéquation, la présentation, la cohérence et la, et la correction. Donc, il s'agit de vérifier si la production prend en charge ces critères. Ses critères pardon. Donc, une petite remarque. La correction, comment elle doit se faire Elle doit aller du texte à la phrase pour arriver enfin au mot. Donc, on va essayer de voir la forme du texte en général, premièrement. Ensuite, on va aller à la phrase. On va corriger la phrase. Et enfin, on va arriver au mot. Donc, pour ce faire... L'élève doit avoir le code de correction comportant les fautes. Donc, il doit savoir quand est-ce qu'il s'agit d'une faute d'orthographe, une faute de conjugaison. De... Donc, c'est à vous. Je vous laisse ici euh, le code de correction. Donc, c'était les étapes de notre, euh, de notre euh, compte rendu. Ensuite, on peut avoir l'auto-évaluation et l'autocorrection. Cette étape, elle doit se faire en une heure, bien sûr. Donc, l'apprenant, qu'est-ce qu'il va faire L'élève doit corriger sa production en la soumettant à la grille d'évaluation. Donc, maintenant, c'est à lui de soumettre ce qu'il a écrit après. Bien sûr, après la distribution des feuilles, vous allez leur distribuer les feuilles. Ensuite, l'élève doit s'auto-corriger et s'auto-évaluer à partir de la grille d'évaluation. Il vérifie si tous les critères... Euh, sont pris en charge ou bien ils ont été pris en charge, ensuite de corriger le texte, de passer à la phrase et enfin de passer au mot. Donc c'était une euh, c'était le compte-rendu du compte rendu. Je vous ai fait j'ai essayé de résumer au maximum ce que c'est que le compte-rendu. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions euh, dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.